Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à la une de l'actualité de ce dimanche. Le gouvernement congolais sera investi le mardi 11 juin prochain. Bien avant cette investiture, la première ministre Judith Suminwa a déposé hier samedi le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale. Un programme d'action calqué sur les 6 engagements du chef de l'État. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a réceptionné ces documents. Le détail dans un instant. Également au sommaire, Félix-Antoine Tshisekedi honore la famille Kabila. Une nouvelle école vient d'être construite à Nkoro, village natal de Musée Laurent Désiré Kabila. Cette école, moderne des 12 salles de classe construites par les ex-Kouluna, rend hommage au 3e président de la RDC, initiateur du service national, complexe scolaire, Musée Laurent Désiré Kabila. C'est le nom de cette nouvelle école. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, la ville de Kinshasa, en proie à la prolifération alarmante et inquiétante de maisons de débauche appelées Kouzou. Ces lieux à peine éclairés, aménagés, où les amoureux se rencontrent, attirent de plus en plus le quinoa. Mais attention, la tenue ou la gérance de ces maisons de débauche est punie par la loi. Le peine vont de 3 mois à 5 ans de prison ferme. C'est l'unique dossier à suivre dans la seconde partie magazine. Une seconde partie que nous entamons dans quelques minutes et juste après la page actualité. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, le gouvernement congolais sera investi le mardi 11 juin prochain. Bien avant cette investiture, la première ministre Judith Suminwa a déposé hier samedi le programme de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale, un programme d'action calqué sur les 6 engagements du chef de l'État. Et c'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a réceptionné ces documents. Plus de précisions avec Anim Balaka. Ce programme a été conçu pour atteindre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venu aujourd'hui à accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base de laquelle ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État, tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité, sur base de, en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, la question, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. La plénière consacrée à l'audition du discours programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale.
L'Union sacrée de la nation a affiché son unité hier samedi. Elle fait bloc autour de la première ministre avant l'investiture du gouvernement. Tous les députés nationaux membres de l'Union sacrée ont été édifiés sur les grands axes du programme d'action du gouvernement. Des détails avec François Soubouila, Pompo Umba et Patrick Djokoukou. Unis autour de la première ministre sous les chapiteaux du Grand Hôtel Kinshasa, plus de 400 députés nationaux de la majorité parlementaire ont répondu à son invitation. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a avant le grand oral de mardi 11 juin à l'Assemblée nationale résumé quelques points directs du programme de son gouvernement. Document qu'elle va présenter et défendre devant les élus en vue d'obtenir l'investiture de son équipe couvre la période de 2024 à 2028. Ce programme est basé sur les 6 engagements du président de la République annoncés le jour de sa prestation de serment. Ce programme représente notre vision stratégique pour le développement économique, social et politique de notre pays pour les 5 prochaines années. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Entouré du président de l'Assemblée nationale et du deuxième vice-président au podium, Judith Suminwa est revenue sur la consolidation des acquis du premier mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'unité, la sécurité et la prospérité. Je suis persuadée que le programme d'action du gouvernement sera un outil précieux pour orienter nos politiques et nos actions à venir et contribuera à réaliser notre vision commune d'un avenir meilleur pour tous les citoyens de notre pays. Tous les membres du gouvernement étaient présents et solidaires. La première ministre prône un partenariat efficace avec les parlementaires en vue d'accélérer le développement de la République démocratique du Congo. En prélude de la mise en place des commissions permanentes et groupes parlementaires, plusieurs rapprochements avec l'UDPS sont déjà constatés. Au cours d'une rencontre avec les députés nationaux et sénateurs, le secrétaire général de l'UDPS et les membres du président de l'Union sacrée ont fait un rappel à l'ordre. Alain Bikay. La mise en place des groupes parlementaires et commissions permanentes de l'Assemblée nationale, l'UDPS est plus que resserrée. Fort de ses 75 députés nationaux, 3 groupes parlementaires garantis et un quatrième à composer avec les partis alliés. 75 de mosaïques composeront aussi 4 groupes parlementaires. Il faut noter qu'il y a plusieurs rapprochements avec l'UDPS constatés, la CRD de Christophe Mbosso et autres. Une alliance avec FDC à débattre Lukwebo n'est pas exclue. Au cours de cette réunion préparatoire de la mise en place des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour les bureaux définitifs, le secrétaire général de l'UDPS a rappelé le soutien au programme du gouvernement qui sera présenté à l'Assemblée nationale. Nous sommes membres de l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce n'est pas une initiative du président. L'Union sacrée, c'est l'initiative du chef de l'État. Rien que pour ça, nous sommes dans l'obligation de soutenir toutes les actions du chef de l'État. La solidité du bloc est ici évoquée par l'honorable Modeste Bahati, membre du Présidium de l'Union sacrée. Notre rencontre va cimenter notre amour, notre solidarité et notre combativité. Nous devons former un bloc solide. J'aimerais que les députés et sénateurs de l'AFDC alliés se lèvent pour saluer cette initiative. Toutes les grandes figures de l'UDPS, Mosaïque, du cartel RCDA et AFDCA et tous les autres alliés ont pris part à cette réunion qui présage la bonne gestion des grandes manœuvres à venir.
Le Sénat aura d'ici le 15 juin prochain son règlement intérieur. Une commission spéciale composée de 50 membres chargés d'élaborer ces règlements vient d'être mise en place. C'était au cours d'une plénière qui a aussi procédé à la validation des pouvoirs de 16 autres sénateurs nouvellement élus, dont les doyens Jonas Mukamba. C'est un reportage de Christian Tako et Gélor Kimpianga. Au cours de la séance plénière de ce samedi 8 juin, la Chambre haute du Parlement congolais a mis en place une commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs du Sénat sous la direction de son président, l'honorable Pascal Kimbolo Lumbo. Cette commission est constituée de 2 délégués par province et 4 pour la ville de Kinshasa, soit 50 membres des 24 provinces. Le speaker de la Chambre haute a accordé un délai de 6 jours pour ressortir parmi les dispositions qui existent des amendements en vue de produire un texte potable à soumettre à la plénière pour approbation. Auparavant, l'Assemblée plénière a adopté les rapports de la commission spéciale chargée de la validation des pouvoirs des 16 sénateurs nouvellement élus. À ce jour, 100 sénateurs ont vu leur pouvoir validé et parmi eux, le doyen, l'honorable sénateur Mukamba Kadiata Mzemba Jonas, une icône dans ce pays qui a réussi à se faire élire dans une province qui n'est pas la sienne. C'est une marque de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour ce pays et preuve d'unité et de cohésion nationale. Nous lui rendons hommage et nous espérons profiter de son expertise et de l'expérience qu'il possède. Conformément aux dispositions de l'article 108 de la Constitution et 78 de la loi électorale, les honorables Lutundula et Mukende Chai ont écrit au bureau provisoire pour exprimer leur option de demeurer au Sénat. Pour sa part, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe a renoncé à son mandat de sénateur dans une correspondance. L'Assemblée plénière en a pris acte. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et les ministres sortants des Sports, François-Claude Kaboulou, ont participé au lancement officiel d'un nouveau projet dénommé pour elle, Sport et Culture, un projet qui vise la construction des infrastructures sportives. Le lancement a eu lieu hier dans la commune de la Bandalungwa. Gaëtan Magalano était sur place. C'est un projet qui cimente la coopération franco-congolaise qui existe depuis 2 années. Au terrain allemand de Bandalungwa, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, aux côtés du ministre sortant de Sport, assiste au lancement officiel du projet pour elle, Sport et Culture. L'événement est très significatif pour le résident de cette commune considérée Paris, Jared Pandou, élie de Bandalungwa, bourgmestre, conseiller municipaux, sportif et artiste de cette municipalité n'ont pas voulu rater l'événement. En présence de l'ambassadeur de France en RDC, le ministre François-Claude Kaboulou déclare que ce projet permettra aux générations actuelles et futures de développer leurs talents. Les objectifs sont très clairs, réhabiliter les infrastructures de proximité, les améliorer, là où il n'y en a pas, construire pour permettre à notre jeunesse de trouver des repères. Pour la directrice de l'Agence française de développement, ces projets visent la construction des infrastructures sportives et culturelles dans les communes de l'Ansele, Kimbanseke Limité et Lingwala. Ça va être un instrument d'attractivité du territoire, ça va être en plus de terrains aux normes qui vont permettre de compétition. Satisfait de la pertinence des avis de célébrités sportives et culturelles ayant animé le panel lors de ces lancements devant l'assistance, ministre de l'écoute et de la parole, Patrick Muyaya Katimbui s'est engagé à assurer leur promotion dans son secteur. Bandal, ça représente les jeunes et les jeunes, il y a moyen de les encadrer par l'espoir et pour la culture. D'où l'idée de faire ces terrains, le moderniser, mais aussi faire un studio, mais aussi s'assurer que les jeunes femmes, autant que les jeunes hommes, auront accès à ces sites. Pour elle, sport et culture visent à améliorer la qualité de vie, le bien-être physique et mental de jeunes filles par la promotion et l'accès aux pratiques sportives et culturelles en RDC.
La ministre d'État sortant du portefeuille fait ses adieux. Adèle Kaïnda Maïna a réuni hier autour d'elle le membre de son cabinet et le responsable des structures sous sa tutelle pour un dernier échange. Elle les a remerciés pour la collaboration durant les 3 années passées à la tête de ses ministères. Angèle Mabiala, Elu Toumba et Olivier Mugungu ont assisté à cette cérémonie de revoir. Elle a laissé des traces indélébiles au ministère du portefeuille et son passage restera inscrit en lettres d'or dans les annales de ses ministères, ayant dans ses attributions le domaine productif de l'État à travers les entreprises du portefeuille. La princesse Adèle Kaïnda Maïna, qui a réuni l'ensemble du personnel de son administration, a dit toute sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et a remercié dans une cérémonie émotionnellement lourde le personnel qui l'a accompagné dans son travail. J'ai annoncé gracieusement notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la présence du Saint-Esprit qui m'a conduit à avoir les 3 ans ici dans mon ministère. Et mon Dieu, j'ai dit que je suis la plus heureuse parce que j'ai bien travaillé avec le chef de l'État. Vraiment pour moi, je lui exprime toute ma reconnaissance et que je dois toujours continuer à exercer la faveur parce que le Saint-Esprit m'avait confié qu'il était le Jésus de la RSC. Dans le chapitre des réformes, la ministre sortante du portefeuille note avec satisfaction les pas franchis. Ces entreprises ne sont pas telles qu'on pouvait les décrire en ce moment. J'ai stabilisé les entreprises. Ces entreprises constituent maintenant un modèle dans la restructuration. Donc je vais partir avec un sentiment de fierté pour dire là où on veut arriver et la résistance. Un moment de convivialité qui a permis à la princesse Adèle Kaïnda Maïna de dire au revoir à un personnel attachant qui l'a accompagné durant les 3 ans à la tête du ministère du portefeuille. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition essentiellement magazine, nous l'ouvrons par les dos du président de la République. Notre confrère Pierre Kibambiso Moïsa revient sur les échanges entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi au cours de cette même semaine discuté avec le président du bureau provisoire du Sénat. En début de la semaine, le chef de l'État s'est entretenu avec la ministre du Congo-Brazzaville chargée de l'environnement. Regardons. Collaboration franche entre institutions de la République, les présidents des deux chambres du Parlement ont eu des entretiens tour à tour en début de semaine à la Cité de l'Union africaine avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçu le premier, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a rassuré que la chambre basse du Parlement est prête pour l'investiture du gouvernement de Madame le Premier ministre Judith Suminwa, qui interviendra entre le 10 et 11 juin en cours. Madame le Premier ministre sera d'abord reçue avec son programme qui sera multiplié et remis aux députés, a indiqué le président de l'Assemblée nationale. C'était ensuite au tour du président du bureau provisoire du Sénat de faire le rapport de la bonne marche de la chambre haute du Parlement au chef de l'État. Pascal Kimbelo a déclaré que son bureau provisoire s'attelle à préparer l'élection du bureau définitif du Sénat qui devra intervenir au plus tard le 15 juin prochain, a-t-il précisé. Brazzaville, la République du Congo, va bientôt se doter d'un siège de la Commission du climat du bassin du Congo. Reçue à la Cité de l'Union africaine, la ministre congolaise chargée de l'environnement, du développement durable, Arlette Soudan Nonolt, était porteuse d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso adressée à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour participer à la cérémonie inaugurale de ce siège et de la radio-télévision du bassin du Congo. Détenant à elle
seule, plus de 62% des forêts du bassin du Congo, la République démocratique du Congo, joue un grand rôle dans la conservation de la nature. La ministre congolaise a souligné l'importance de la RDC et de la République du Congo dans la régulation du climat grâce aux tourbières que détiennent les deux pays. Ancienne envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, la ministre déléguée près le ministère de l'Environnement, Madame Stéphanie Mbombo, a pris part à cette entrevue. Les échanges entre la première ministre Judith Suminwa et tous les membres de son équipe, ont attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres activités phares ont eu lieu cette même semaine, comme le déroulement de l'examen national de fin d'études primaires INAFEP édition 2024 et aussi le début du procès d'une cinquantaine de présumés assaillants du dernier coup d'État manqué, la condamnation du pasteur Kass à 11 ans de prison et la célébration de la journée mondiale de l'environnement figurent également parmi les informations qui ont dominé cette semaine. Si vous avez manqué un fait, Pierre Omboui fait le tour de ses actualités phares de la semaine en quelques minutes. Divers sujets d'intérêt général ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. La première ministre chef du gouvernement a présidé la réunion de prise de contact avec les membres de son équipe. Belle opportunité pour elle de leur présenter succinctement les axes phares de son programme, une feuille de route qui se greffe sur les 6 piliers du vaste et transversal projet de développement du président de la République. Intense activité professionnelle ou grande retombée parlementaire menée par les présidents de l'Assemblée nationale et les autres membres du bureau de la Chambre basse du Parlement. Parmi les 10 activités, nous pouvons épingler les consultations avec plusieurs regroupements politiques et caucus de députés nationaux pour faciliter l'investiture en mode d'urgence du gouvernement dans les prochains jours. Sans oublier une série d'audiences et séances de travail avec une frange de certaines forces vives du pays. À la Chambre haute du Parlement, les sénateurs de la 4e législature ont vu leur mandat être validé par la commission mise sur pied quant à ceux. C'était au cours d'une plénière présidée par les doyens d'âge du bureau provisoire, plénière au cours de laquelle les membres de ces commissions ont eu à présenter leurs rapports auprès de leurs collègues sénateurs. Ils étaient des milliers à arpenter, sillonner et prendre d'assaut les grandes artères et places publiques, tant à Kinshasa qu'au Congo profond, pour rallier leur centre. Ils, ce sont les élèves finalistes engagés à concourir aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP. À la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, 3 appareils Pimpan 9, d'échographie, des dialyses et de l'endoscopie, appareil à même de soulager tant soit peu les patients qui souffrent de ces maladies, dont fait par la société Congo Environnement, ont été réceptionnés par la première dame de la République démocratique du Congo. Démarrage au courant de la semaine du procès des 53 putschistes à la prison militaire de Ndolo, dans la commune de Barumbu. C'est hors la loi et assaillant, appréhendé par les forces de défense et de sécurité, dans la foulée des attaques armées menée contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et du cabinet du chef de l'État, situé au palais de la Nation, qui se retrouve dans les box des accusés, sont poursuivis judiciairement. Les reprochés aux assaillants les infractions ci-après, attentats, terrorisme, détention illégale des armes et des munitions de guerre, tentative d'assassinat, association des malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. À l'instar d'autres pays de la planète, la République démocratique du Congo, l'un des poumons de la biodiversité, avec son bassin, a elle aussi célébré la Journée mondiale de l'environnement. Placée sous le thème « La restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse », la commémoration de cette journée a vu les autorités politico-administratives et socio-professionnelles du pays organiser une curielle et variée d'activités, à même de sensibiliser les publics dans la célébration des actions en faveur de la protection de l'environnement. Et en marge de la célébration de cette journée mondiale, les ministres des communications et médias ont lancé le tout nouveau média environnemental dénommé Mongobay. À la radio-télévision nationale congolaise, après 45 jours d'intenses travaux, la commission de la réforme de la grille des programmes a clôturé ses travaux. Une clôture sanctionnée par le dépôt du rapport auprès de Madame la directrice générale de la RTNC. En société,
pendant que la nation congolaise tout entière s'attelle à lutter efficacement contre les armes légères et petits calibres à travers l'élaboration d'une feuille de route imposable à tous. Certains habitants de la commune de Lemba se sont réveillés en milieu de semaine dans une stupeur effroyable au lycée Mpiko de cette municipalité avec la découverte d'une arme comprenant des munitions. Dans la commune de Barumbu, les célèbres marchés Epolo, situés au croisement des avenues Kabambare, Itaga et Progrès, qui est menacé de spoliation par certains inciviques ennemis de la nation, a bénéficié d'une itinérance administrative de certaines personnalités notabilités de cette municipalité, qui se sont imprégnées de la situation, et ce, après avoir effectué une descente à la cité Kitoko, où les maisons étaient incendiées. Enfin, une semaine noire à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, qui vient de perdre l'un de ses talentueux journalistes et présentateurs, des journaux télévisés et parlés à la radio, à la personne de Fabrice Wanzing Djokoli Kosama, élevé dernièrement au rang de directeur provincial de la RTNC Nord Ubangi. La ville de Kinshasa, en proie à la prolifération alarmante et inquiétante de maisons de débauche appelées Kouzou, ces lieux à peine éclairés et aménagés où les amoureux se rencontrent attirent de plus en plus le quinoa. Mais attention, la tenue ou la gérance de ces maisons de débauche est punie par la loi. Les peines vont de 3 mois à 5 ans de prison ferme. Vous suivrez un magistrat du parquet général de Matete que notre consoeur Fifi Mukundi a interrogé. C'est l'unique dossier de ce journal magazine. Ces banderoles sont loin de la sensibilisation sur la vaccination ou sur la prévention contre une maladie ou encore sur l'évangélisation, mais plutôt pour inciter à la débauche. Il suffit de lire les écrits qui s'y figurent pour se rendre compte. Tel hôtel chambre 2000 francs congolais seulement et tel autre hôtel chambre 5000 francs congolais. Ces tarifs comptent pour 2 heures d'occupation afin de maintenir le rythme de la rotation. Certes, cette tarification semble détourner la mission fondamentale de ces cadres d'hébergement. L'hôtel, le prix est fixé du jour au jour et c'est un prix unique et précis. Cet hôtel-là est métamorphosée en maison de passe. C'est une source de revenus pour les propriétaires, mais un danger moral et sanitaire pour la clientèle qui s'expose aux diverses maladies car les conditions hygiéniques ne s'y prêtent pas. Un autre phénomène décrié est celui d'Ikouzou. Ces lieux de tolérance des fortunes, que sont les terrains de football dans certains quartiers de la capitale et beaucoup d'autres espaces à ciel ouvert qui servent aussi des kouzou pendant la nuit. Les rares des kouzou aménagés s'associent à des paillotes pour la consommation qui fait des droits d'accès à un prix au double ou au triple. C'est vraiment honteux. Hein? Ici chez nous, où la prostitution devient quelque chose de banal, ça se fait à ciel ouvert, même pendant la journée. Vous êtes enfermé dans ce que moi j'appellerais le case, hein? Pas un case en verre, mais qui se voit, on vous voit comme ça. Kouzou, comme tous ces hôtels à marge de leur mission, constituent des pratiques de mauvais goût aux mœurs et à l'éducation des enfants. Le bénéfice dans cette opération de rabattre les prix de chambres d'hôtel, ça rime à quoi? Est-ce que ça construit ou ça détruit la jeunesse? Là, c'est notre jeunesse qui est exposée. Jeune. Ces banderoles de publicité placées le long des artères de Kinshasa pour promouvoir des mesures de tolérance, ce genre de comportement détruit complètement la jeunesse congolaise. Autrefois, ces lieux étaient réservés aux adultes, mais hélas, aujourd'hui, avec les prix au rabais, c'est la jeunesse qui en pâtit. Au-delà de la moralité en péril, ces initiatives fâchent la loi à la matière. Tout le monde tombe sous le coup de l'article 174B. De la loi 06/018 du 20 juillet 2006 qui modifie et complète notre code pénal. C'est la loi sur les violences sexuelles, comme on le dit. En fait, on qualifie le fait là de la tenue habituelle d'une maison de débauche. La tenue consiste à quoi? La tenue consiste dans l'administration, la gestion. Tout local que tu peux mettre, madame, à la disposition de quelqu'un à des fins sexuelles. L'infraction est consommée par le simple fait de détenir, d'administrer, de gérer telle maison. Et là, on s'occupe bien et de l'employé, de l'agent, du gérant,
et voire même les propriétaires. Et ce sont des infractions qui sont, c'est une infraction punissable de 3 mois de servitude pénale, c'est-à-dire de prison, jusqu'à 5 ans pour ce qui concerne les adultes. Et ça va de 10 à 20 ans pour ce qui concerne lorsque vous amenez dans ces cours une mineure. Devant ces phénomènes sociaux qui gangrènent la société, il est plus qu'urgent que les autorités compétentes arrêtent cette hémorragie de la débauche à la criée. De retour à l'actualité, je le dis à l'ouverture de ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, honore la famille Kabila. Une nouvelle école vient d'être construite en Koro, village natal de Mouzé-Laurent-Désiré Kabila. Cette école moderne des 12 salles de classe construite par le ex-Kuluna rend hommage au troisième président de la RDC, initiateur du service national. Complexe scolaire Mouzé-Laurent-Désiré Kabila, c'est le nom de cette nouvelle école inaugurée par les commandants du service national, comme nous dit Cédric Inina. Dans son reportage. Il a fallu 2h20 de vol pour relier Lubumbashi au territoire d'Ankoro, dans la province du Tanganyika. Ankoro, ville natale de l'ancien président Mouzé-Laurent-Désiré Kabila, a réservé un accueil chaleureux au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Ce dernier est arrivé pour l'inauguration d'une école construite par les bâtisseurs. Hier appelé Kuluna. 10 mois de travaux et les bâtiments sont sortis des terres. L'ouvrage est aux antipodes de l'ancienne image. Une manière pour le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale et du service national, Félix-Antoine Tshisekedi, d'honorer la mémoire du troisième président de la République, Laurent-Désiré Kabila. L'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi, vous tenez à honorer Laurent-Désiré Kabila en sa qualité d'initiateur du service national. Il a fait. Il a mis tous les moyens à notre disposition pour construire cette école. Vous venez de la visiter, l'école est totalement terminée. Au mois de septembre, les élèves, les enfants vont profiter de cette école pour apprendre, pour leur apprentissage. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays et j'en suis fier. D'autres ouvrages du même standard seront construits dans le chef-lieu d'autres provinces. Les archives à l'honneur. Le monde célèbre aujourd'hui, 9 juin, la Journée internationale des archives. À Kinshasa, l'Institut national des archives du Congo, INACO, a organisé pendant 6 jours la Semaine internationale des archives, du travail qui avait pour thème les archives en RDC à l'ère numérique. Renette Koulunga pour le reportage. 9 juin consacrés à la Journée internationale des archives par le Conseil international des archives, ICA depuis 1948. Pour cette année 2024, l'Institut national des archives du Congo, INACO, a organisé pendant 6 jours, du 3 au 8 juin, la Semaine internationale des archives avec comme thème international cyberarchives et nationales, les archives en République démocratique du Congo à l'ère du numérique. Pour nous, c'est un signal que de plus en plus, tout le monde s'intéresse à la problématique des archives, aux problèmes donc spécifiques qui se posent dans les domaines des archives. Nous voudrions que tout s'organise, que toutes les questions liées aux archives passent par l'INACO. Peu connus, nous sommes peut-être et parfois ignorés. C'est l'occasion de nous rappeler que l'INACO existe avec ses innombrables missions. Nous existons, nous sommes là pour accompagner les gouvernements qui nous considèrent d'ailleurs. Ces deux thèmes ont permis aux professionnels d'archives de la gestion des documents et de secteurs connexes tels que l'informatique et la communication à réfléchir, à débattre et à partager des connaissances au sujet de ces 3 sous-thèmes, à savoir le rôle des archives dans la gouvernance moderne, le défi et opportunité de la digitalisation des archives, et enfin, renforcer le réseau d'archivistes à travers les innovations.
C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Luison Moulongo et Capella. La partie technique a été assurée par Henri Ali Massi, Alain Soudi, Joël Mpiangou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Surtout, ne ratez pas les grands rendez-vous sportifs de cet après-midi. L'RDC joue contre le Togo au stade de Martyr à 17h. Match comptant pour la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Nous disons déjà bonne chance à nos Léopards. Très bonne suite des programmes. Au revoir.